Dans cet exercice, on estimera la circonférence de la Terre à 40 000 km. On tend une corde tout autour de la Terre. La Terre. Et une corde tout autour de la Terre. Celle-ci est supposée ici parfaitement sphérique. Première question, de quelle longueur faut-il allonger la corde pour pouvoir à présent la fixer au sommet de piquet d'un mètre, de haut, réparti tout autour de la Terre? On suppose que la forme de la corde reste circulaire. Donc, cette corde-là doit être toujours à 1 mètre au-dessus du sol. Combien fait donc la circonférence de cette corde, ou la longueur de cette corde? Déjà, du centre de la Terre jusqu'ici, on a le rayon. Et si on ajoute au rayon 1 mètre, on trouve le rayon du cercle formé par la corde. Alors, combien c'est le rayon de la Terre? Ça, c'est sa circonférence. Je sais que ça, c'est égal à 2 fois pi fois r, la formule de base. Du coup, je peux trouver r qui est égal à 40 000 km divisé par 2 pi. R égale 40 000 km sur 2 pi. Bien, ça c'est le rayon de la Terre. Si on suppose que la circonférence est 40 000 km, alors quel est le rayon de la corde? La corde du centre jusqu'ici, ça fait R plus 1 mètre. Le rayon, disons R' de la corde, c'est R plus 1 mètre. Attention, R est donné en kilomètres. Si je veux traduire tout ça en kilomètres, ça nous donne R plus 0,001 km. C'est le rayon de la corde. Alors, quelle est la longueur de la corde? C'est 2 pi fois ce rayon, c'est-à-dire R plus 0,001. Ceci, je répète, c'est le rayon de la corde en kilomètres. Ce qui est égal, si je développe, 2 pi r plus 2 pi fois 0,01. Je vais écrire ça 2 pi sur 1000. C'est plus joli. Mais 2 pi r, c'est qui? 2 pi r, c'est 40 000 km. 40 000 plus 2 pi sur 1000. De combien donc la corde est plus grande que toute la circonférence de la Terre? De 2 pi sur 1000. 2 pi sur 1000 km. Ça fait combien ça? 2 pi sur 1000. Pi c'est environ 3,14. 2 pi c'est 6,28. Donc 6,28 sur 1000 km. Ce qui est égal, vous avez compris, à 6,28 mètres. Voilà. La corde doit être allongée de 6,28 mètres environ, bien sûr, afin qu'elle soit sur des piquets qui sont tous à 1 mètre de la, du sol. On ne dirait pas, hein? On ne dirait pas, et quand même, le calcul est évident. Bien sûr, on ne peut pas vérifier ça, hein? Pratiquement, c'est difficile de faire ça. Pour vérifier, il faut juste 6,28 m de rajouter à une corde qui est d'abord par terre pour que cette corde soit suspendue à 1 mètre au-dessus du sol. C'était la première partie de ce problème. La deuxième partie est un peu plus difficile, mais on va y arriver. Alors, la corde ayant été ainsi rallongée, on décide de supprimer les piquets et de tendre à nouveau la corde autour de la Terre.
On arrime alors la corde au sommet d'une tour. La terre. Et au sommet d'une tour, S. La corde passe par là. On demande la hauteur de sa tour, sachant qu'au point de contact A et B, A et B, oui, la corde est tangente au cercle. Le centre O, bien sûr, on suppose ici une section de la Terre. Le centre O, OB, OA, quelle est la propriété? La tangente est perpendiculaire au rayon. Et bien sûr, la tour verticale traverse la Terre et comme elle est verticale, sa projection arrive au centre de la Terre. Nous voilà la figure en section. Et je rappelle, cette longueur, tout ça, c'est la longueur de la corde, la longueur qu'on vient de trouver tout à l'heure. Bien, la question c'est combien ça fait SX. X c'est le point de la base de la Terre, de la tour. SX c'est la tour. Je vais noter SX avec la lettre X. D'autres lettres qu'on peut donner pour les deux tangentes qui sont égales, Y, le rayon de la Terre R, et ici un petit angle qui est égal à celui-là qu'on va appeler alpha. Voilà, on donne donc des lettres aux choses qu'on ne connaît pas, donc un peu d'algèbre. Bien, alors, qu'est-ce qu'on peut calculer jusqu'à arriver à x? Parce que je rappelle, c'est la hauteur de la tour x qu'il faut trouver. D'abord, je rappelle que deux pierres égale 40 000 km, ce qu'on a dit. Du coup, le rayon est égal à 40 000 sur 2 pi km. D'accord, le rayon de la Terre. Et après, bien sûr, pour arriver à X, il faut arriver en passant par Y, et pour trouver Y en fonction de cet angle et ce rayon, quelle fonction on peut utiliser? Côté opposé sur côté adjacent, tangente. Tangente alpha égale Y sur R, qui est égal Y sur R, Y, multiplié par l'inverse de R, ça fait, vous avez trouvé, 2 pi Y sur 40 000, simplifié, pi Y sur 20 000. Bien. Ça, c'est la liaison entre l'angle alpha et Y. Jusqu'à X, on a encore. Maintenant, quelle est l'autre condition? Le fait que toute cette longueur, je rappelle, toute cette longueur de cet arc de cercle plus ces deux segments, ça fait la fameuse longueur de la corde. Alors, pour cela, d'abord, on va calculer combien ça fait la longueur AB. Et la longueur AB de l'arc AB s'obtient en faisant un tableau de proportionnalité, tout simple. Attention, pour 360 degrés, tout ça, la longueur, c'est la longueur de la Terre, 40 000 km. La longueur ou la circonférence de la Terre. Et pour cet angle-là, 2 alpha, bien sûr en degrés, on a cette longueur-là, l'arc AB. L'arc AB, bien sûr, c'est un tableau de proportionnalité duquel on peut calculer AB. AB est égal ça fois ça divisé par ça. 2 alpha en degrés fois 40 000 sur 360 degrés. Et bien sûr, on peut simplifier et ça nous donne 2000 sur 9 alpha degrés. Faites la simplification, on a simplifié par 40 en haut et en bas. Bien, ça c'est la longueur de l'arc AB, comme on dit, disons le petit arc AB.
parce que maintenant il nous faut le grand arcabé pour l'inscrire dans la longueur de cette corde que je répète plusieurs fois. Alors l'autre arc AB, on l'écrit comme ça, le grand arc qui ne contient pas le point X, ben, c'est égal bien sûr à 40 000 km, c'est-à-dire la longueur de tout ce cercle, moins ce petit arc, 2000 sur 9 alpha degrés. Je rappelle que toute cette chose-là, ces deux segments et cet arc, mesurent au total la longueur de la corde. Et c'était combien la longueur de la corde, vous vous rappelez? C'était 40 000 km plus 2 pi sur 1000, 200 km. Bien sûr, ici, c'est le fameux 6,28 mètres. Ça, c'est la longueur de toute la corde, qui maintenant, elle est disposée autrement. Elle est égale à 2y, c'est-à-dire ces deux segments, plus le grand arc AB. Le grand arc AB, on vient de calculer, c'est 40 000 moins 2000 sur 9 alpha. Donc 40 000 moins 2000 sur 9 alpha, tout en degrés. Et bien sûr, comme vous constatez, on peut simplifier plein de choses ici. 40 000 km disparaissent. Il nous reste 2y est égal à ça plus ça. 2y qui est là est égal à 2pi sur 1000 plus 2000 sur 9 alpha degrés. Et bien sûr, y, tout simplement, on divise tout ça par 2, est égal à 1000 sur 9, 1000 sur 9 alpha degrés plus pi sur 1000. Ça, c'est la valeur de y en fonction de alpha, la formule alpha, cet angle-là. Bon, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Il faut rappeler, et je rappelle, que tangente d'alpha est égale à pi y sur 20 000. C'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure dans la première phase. Tangente alpha égale pi y sur 20 000. Alors, autant remplacer ici, comme vous constatez, alpha qui apparaît ici, y qui apparaît ici, on va dire deux équations avec deux inconnus. Et si bien sûr je résous ce système, on peut trouver ou alpha ou y. Parce que je signale pour le x. Pour le x, c'est comment? X, ça vient d'ici. Car quelle est la fonction trigonométrique qu'on peut trouver? Cosinus d'alpha. Cosinus d'alpha est égal côté adjacent R sur hypoténuse. Ben, l'hypoténuse, c'est cette hypoténuse, c'est x plus r. X plus r. Je vous laisse trouver x si vous voulez bien. X égale combien? Alors, on multiplie ça. X plus r fois cos alpha est égal à r. On développe x cos alpha plus r cos alpha égale r. Donc, x est tout simplement r moins r cos alpha sur cos alpha. Ce terme moins ce terme divisé par cos alpha. Et bien sûr, on peut mettre r en facteur. R facteur de 1 moins cos alpha sur cos alpha. Et voilà comment trouver, bien sûr, x. Je signale que r est trouvé. R est tout simplement 40 000 km sur 2π, depuis le début du problème. Récapitulons à cette phase très compliquée du problème. Je révise ce qu'on a. On a une équation avec les inconnus y et alpha.
alpha degré ici et y cette longueur. Une autre équation avec y alpha, tangente d'alpha égale y sur r, celle-ci. Et encore x égale r fois 1 moins cos alpha sur cos alpha. Si bien sûr j'arrive à trouver alpha, je peux trouver x parce que r est connu. On a donc ces deux équations. Les inconnus sont alpha et y. C'est l'angle alpha qui m'intéresse pour trouver x. Pour l'instant, je vais remplacer donc y dans cette équation par cette expression. Donc cette égalité devient tangente de alpha degré est égal pi sur 20 000 multiplié par y. Y c'est ça. 1000 sur 9 alpha degré plus pi sur 1000. J'ai une équation avec la seule inconnue alpha. Le seul problème que c'est une équation spéciale difficile avec tangent d'alpha et alpha tout court. Quelques petites simplifications qu'on peut faire ici. Tangente de alpha degré est égal, on simplifie, ça nous donne pi sur 1000 sur 20 000, on simplifie par 1000, ça fait 20 fois 9, 180. Alpha degré plus, ça multiplié par ça, c'est pi carré sur 20 millions. Et nous voilà millionnaires. Et bien sûr, pour arriver à radian, parce que là c'est plus intéressant, pour utiliser les formules, combien ça fait ça en radian? Autrement dit, alpha degré, il faut que je la transforme en radian. Je sais que pour l'angle de pi, de radian, on a 180 degrés. Alors notre alpha degré, ça fait combien? C'est combien? C'est alpha fois pi sur 180. Donc alpha fois pi sur 180, c'est notre valeur de alpha en radian. Alpha, mais en radian. Je répète, cette chose, en multipliant alpha degré par pi sur 180, comme les transformations en seconde, la trigonométrie, cette quantité-là, c'est la valeur de l'angle alpha, mais en radian. Tangente de alpha, ici peu importe, ça donne la même chose, égale alpha en radian plus pi carré sur 20 millions. Et comment résoudre cette équation? Attention, cette chose-là, c'est une fonction. Pour simplifier, je peux noter à la place de alpha, je rappelle x pour appeler les bonnes choses. Tangente de x égale x plus pi carré sur 20 millions. Comment on résout cette équation? Ben, on trace la courbe de la fonction tangente. On trace la courbe, autrement dit la droite de cette fonction affine. Ça, c'est un nombre fixe, très très petit, mais fixe. Et l'intersection de deux courbes, ça nous donne la solution de cette équation. Bien sûr, x doit être très petit. Très, très petit. On va voir avec une calculette. Voilà la preuve de la solution. 0,011 et des poussières. Bien sûr, la solution est approximative. Donc en résolvant cette équation, tangente alpha égale alpha plus pi carré sur 20 millions, on trouve en radian qu'alpha c'est environ 0,011 396 971 962, grâce à la TI 92+. Et en degré, en multipliant donc ça par 180 sur pi, pour transformer en degré, on trouve un angle de environ 0,65. Donc un peu plus que la moitié d'un degré, c'est l'angle alpha de notre figure.
On a trouvé donc l'angle alpha en radian 0,011, 396, 971, etc. La hauteur x de la tour était donnée par cette formule. Il suffit de remplacer maintenant alpha par cette valeur à vos calculettes. Et on trouve x est environ 0,413. Il s'agit bien sûr de kilomètres. Donc environ 413 mètres, c'est la hauteur de cette tour imaginaire, un tout petit peu plus haute que la tour Eiffel. Bien sûr, c'est une application inutile, ça sert strictement à rien, on ne va jamais construire ça, la corde autour de la Terre, c'est impossible, mais pour la curiosité mathématique, ça n'a pas d'égal. Ce problème est vraiment très intéressant.